Quatre mois après, la douleur est toujours aussi vive. Le 8 mai dernier aux alentours de 23h. La vie du chef Yannick Aleno avait pris un tournant tragique. Ce soir-là, son fils Antoine venait tout juste de baisser le rideau de son restaurant et d'enfourcher un scooter en libre-service lorsqu'il avait été percuté par Francky D. Un chauffard multirécidiviste. L'individu venait de dérober une voiture au très chic restaurant Koya et roulait à vive allure dans les rues de Paris lorsque le drame est survenu. 200 mètres seulement après avoir allumé le moteur, le jeune homme de 24 ans a ainsi été percuté de plein fouet avenue Bosquet, sur la place de la Résistance. Antoine Aleno, mort sur le coup, n'est pas la seule victime de cette affaire. Une jeune femme se trouvait avec lui à l'arrière du scooter lorsque l'accident est survenu. Pendant longtemps, certains ont cru à tort qu'il s'agissait de sa petite amie de longue date. Anja, mais il s'agissait en réalité d'une des plus proches collaboratrices du petit frère de Thomas. Il n'empêche que la compagne éplorée d'Antoine Aleno est elle aussi une victime collatérale dans cette affaire. Comme l'a expliqué le chef Yannick Aleno dans les colonnes du journal du dimanche. Bien qu'elle soit en couple avec Antoine Aleno depuis plus de 6 ans, Anja n'a aucun statut légal vis-à-vis de ce dernier. Une situation que déplore le père du défunt, des proches qui n'ont parfois aucun statut légal. Point. Antoine était amoureux depuis 6 ans d'une jeune femme, ils formaient un vrai couple. C'est une artiste, encore étudiante aux Beaux-Arts, qui a une petite boîte de graphisme. Elle n'existe pas officiellement par rapport à Antoine, a regretté Yannick Aleno. Bien décidé à honorer la mémoire de son fils, le célèbre restaurateur et ex de Patricia Cass a donc pris la décision de venir lui-même en aide à la jeune femme, qu'il considère comme un membre de sa famille. Notre famille est là pour elle. On veut qu'elle puisse finir ses études. Si nous récoltons des fonds, nous voudrions aider d'autres jeunes dans cette situation, a fait savoir l'intéressé. Yannick Aleno en est certain, c'est ce qu'aurait souhaité son fils parti trop tôt.